31 décembre, c'est déjà traditionnellement la journée de remercier le Seigneur et de témoigner de ce qu'il a fait pour nous, en nous, pendant toute l'année. Et lorsqu'on parle de témoignage, on révèle, on manifeste ce que Dieu a fait pour nous. Déjà, Manu a très bien fait de commencer par le grand témoignage de Dieu lui-même, par la création. Et pareillement, lorsque Jésus est venu, nous avons vu ça dimanche dernier, pourquoi Jésus a dû s'incarner, pourquoi il a dû venir comme un être humain. Et l'incarnation, la mort, la résurrection de Jésus mettent en lumière notre égarement, notre éloignement dû à nos péchés qui nous avaient séparés de notre Créateur, de notre Seigneur. Toutefois, il révèle également notre délivrance du péché, notre délivrance de la condamnation représentée par la mort. Et ces événements forment la base de l'Évangile, forment le socle de l'Évangile. Et tous ces événements, la mort, la venue de Jésus, son incarnation, sa mort, sa résurrection, ont un impact sur nos vies quotidiennes. Ce n'est pas une idée religieuse ou philosophique. Il y a des implications sur notre vie au jour le jour. Parce que l'Évangile n'est pas simplement une proclamation des effets du salut, de la rédemption réalisée une fois pour toutes, mais il s'agit également de la révélation continue de Dieu pour nous et en nous. Ça ne s'arrête pas dans la mort, la résurrection de Jésus il y a 2000 ans. Il y a des effets pour nous aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Et en étudiant sérieusement la Bible, nous découvrons que l'Évangile ne se limite pas à cette narration historique de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais elle agit comme un miroir, dévoilant aussi notre ancienne condition de vie avant Jésus et notre vie en Christ, tout en présentant cette nouvelle existence que nous avons en Christ aujourd'hui. La Bible souligne également que l'Évangile est la manifestation de la révélation divine sur qui nous étions, qui nous sommes aujourd'hui et ce que Dieu a fait en nous par Christ. Et le terme grec qu'on emploie pour dire révélation est justement apocalypse. Donc apocalypse, ce n'est pas catastrophe, apocalypse, c'est la révélation, la manifestation. Et ça souligne aussi que l'évangile de Jésus qui annonce la bonne nouvelle de sa mort et de sa résurrection, est l'apocalypse de Dieu pour nous. Est la révélation de Dieu pour nous. Hein? Ainsi, le disciple de Christ, il est investi d'une parole de vie apocalyptique. Nous devons mener une vie apocalyptique, une vie qui révèle Christ, une vie qui manifeste Christ. Hein? Une vie qui manifeste cette nouvelle identité que le disciple a maintenant avec Christ. Ça explique en fait la raison de notre engagement en Christ. Si nous sommes engagés avec Christ, si nous vivons en Christ, nous allons mener une vie qui manifeste, qui révèle Christ. Voilà une vie apocalyptique. Et vivre selon cette parole, cette vie apocalyptique, n'est pas une tâche ponctuelle faite une fois pour toutes, mais il s'agit bien d'un défi quotidien. Chaque jour, le disciple dévoile, manifeste Jésus, ainsi que son œuvre dans sa vie, incarnant la vérité de l'Évangile. Nous incarnons la vérité de l'Évangile, tout comme Jésus a incarné l'amour de Dieu. Jésus a manifesté dans sa chair l'amour de Dieu. Jésus a, ça n'existe pas, c'est un verbe que je vais inventer maintenant. Jésus a apocalypsé la vie de Jésus
d'envie de Dieu, l'amour de Dieu, nous devons apocalypser, manifester, révéler la vie de Dieu en nous aussi. Mais comment vivre de façon apocalyptique? Comment le disciple doit mener sa vie de façon à montrer la même révélation qu'il a eue à propos de sa vie avant et après l'intervention de Dieu dans sa vie? Paul, dans sa lettre aux Galates, chapitre 1er, les versets 11 à 24, montre effectivement comment vivre de manière apocalyptique, de manière à montrer la vie de Dieu en nous. Donc, lisons ce texte, Galates, chapitre 1, versets 11 à 24. Je veux que vous le sachiez, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine, car je ne l'ai reçu d'aucun homme. Personne ne me l'a enseigné. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation, par un apocalypse. Vous avez entendu parler de ma conduite passée quand j'étais adepte du judaïsme. Vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'Église de Dieu dans le but de la détruire. Dans la pratique du judaïsme, j'en ai encore plus loin que la plupart des juifs de ma génération et j'étais bien plus zélé que pour les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Aussi, dès que lui a pu de révéler ou d'apocalypser en moi son fils, pour que je l'annonce aux non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne me suis même pas rendu à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient déjà apôtres avant moi, mais je suis parti pour l'Arabie. De là, je suis retourné à Damas. Ce n'est que 3 ans plus tard que je suis allé à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, chez qui je suis resté 15 jours. À part lui et Jacques, le frère du Seigneur, je n'ai rencontré aucun autre apôtre. Dieu m'est témoin que je ne mens pas en vous écrivant cela. Ensuite, je me suis rendu dans les districts de la Syrie et de la Cilicie. Mais les chrétiens des églises de la Judée ne me connaissaient pas personnellement. Ils avaient seulement entendu dire « C'est lui qui autrefois nous persécutait » prêche maintenant la foi qu'il voulait détruire et il louait Dieu à mon sujet. Ainsi, puisque nous croyons et nous expérimentons la présence de Dieu dans ce monde, pour que le disciple vive une vie apocalyptique, une vie qui révèle l'Évangile, ce texte de Galates 1, du verset 11 au verset 24, nous montre 3 indicateurs d'une vie apocalyptique. La vie du disciple ne dépend que de Christ lui-même. La vie du disciple ne dépend pas de l'organisation religieuse et la vie du disciple ne dépend pas des autres. C'est notre vie avec Christ. Et au verset 11 et 12, Paul commence par poser les bases du discipulat, Christ lui-même. Et puis, lorsque Paul a écrit la lettre aux Galates, il faisait face à certaines oppositions. On disait qu'il avait tort dans sa prédication et qu'il n'avait aucune autorité pour enseigner ce qu'il enseignait. Cependant, Paul affirme qu'il n'y est pour rien, parce que le contenu du message qu'il prêchait ne venait pas de lui-même, ni d'aucun autre humain. Ce qui choque, en fait, pour moi, dans les versets 11 et 12, c'est l'expression « je veux que vous le sachiez ». Or, certainement, les Galates étaient au courant de ce qui s'est passé dans la vie de Paul. C'était même la base de son témoignage, de son ministère. Pourquoi donc Paul affirme telle chose, je veux que vous le sachiez. Est-ce que les Galates n'étaient pas au courant?
puisqu'il revenait, hein, les Galates revenaient à l'idée du salut à partir de leurs actions personnelles ou d'une appartenance culturelle, hein, Paul leur fait comprendre qu'ils ne le connaissaient même pas. Et pourtant, Paul a passé quelque temps avec eux. Cela ne faisait pas partie des enseignements de Paul. Hein? Nos actions personnelles nous rapprochent de Dieu ou juste une appartenance culturelle. Je suis né dans une culture chrétienne, je suis né dans une famille chrétienne, je suis né dans un pays chrétien. Donc, est-ce que ça nous sauve? Est-ce que ça nous rapproche de Dieu? Voilà la question dans l'église, dans les églises de la Galatie. Ce n'est pas qu'une seule église. La Galatie, c'est une région. Cela veut dire que les Galates agissaient comme s'ils n'avaient jamais connu Paul et ses enseignements. Mais effectivement, il n'est pas question des enseignements de Paul lui-même, hein, mais ceux de Jésus. C'est ça la question. C'est le même problème qu'à l'église de Corinthe. Ils ont trouvé des problèmes dans cette église. Ah, mais je crois beaucoup plus à Apollos. Ah non, mais je crois en Jésus. Non, mais je crois que Paul a la vérité. Donc, à peu près toutes les églises traversent la même période. Qui a la vérité? Ou quels sont les bons enseignements? Hein? Donc, voilà la différence. Paul dit, non, mais ce n'est pas mon évangile, ce n'est pas ma prédication. C'est l'enseignement du Christ lui-même. Paul affirme littéralement que l'évangile qu'il prêchait n'était pas selon l'homme. Mais Paul va encore plus loin. Hein? Au-delà d'affirmer que l'évangile, hein, en plus d'affirmer que l'évangile qu'il prêchait n'était pas selon l'homme, Paul affirme que l'origine de l'évangile qu'il prêchait était Jésus lui-même. Ça va au-delà des enseignements de Jésus. Paul prêchait Jésus lui-même. Hein? Cet évangile prêché par Paul était un apocalypse, c'est-à-dire une révélation du Christ parmi les églises de la Galatie. Paul manifestait Christ lui-même. Paul révélait Christ lui-même. Ainsi, nous constatons que Paul n'a pas cherché dans ce cas à se défendre de l'accusation qui lui a été faite. Il ne se défend même pas. Dans d'autres occasions, il va se défendre. Mais pas celle-là. C'est-à-dire qu'il n'était pas apte à prêcher. Il ne se défend pas de cette accusation. Mais bon, la prédication, elle est un peu nulle quand même. Hein? Non, il ne se défend même pas. Effectivement, s'il affirme que l'évangile qu'il prêche n'est pas le fruit du raisonnement humain, évidemment, il n'est pas son auteur. Je ne suis pas l'auteur des enseignements que je prêche. Hein? En plus, Paul renonce à sa propre personne en faveur de l'évangile. Hein? Il se discrédite lui-même lorsqu'il compare sa conduite avant la conversion à l'évangile. Paul va se discréditer complètement. J'ai persécuté l'Église. Or, s'il voulait s'attribuer à lui-même une valeur, croyez-moi, hein, si Paul voulait faire ça, croyez-moi, parce que je vous prêche la vérité. Voyez qui je suis. Non, il fait justement le contraire. Il se discrédite. J'ai persécuté l'Église. Pourquoi Paul fait ça? Il renonce complètement à sa propre personne. Et pourquoi Paul se déprécie avant de parler de l'évangile? Parce qu'il s'agit de la révélation de Jésus, pas la révélation de Paul. L'évangile n'est pas la révélation de Paul. Cela veut dire que l'évangile est la manifestation de Jésus, et puis Paul prêche Jésus et non pas lui-même, ni ses coutumes, ni sa culture. L'évangile est donc Christ lui-même. L'évangile vient de Christ. L'évangile glorifie Christ parce que son message montre la présence de Christ dans ce monde. Voilà le grand enjeu du monde
dans sa relation avec Dieu? Est-ce que nous percevons la présence de Dieu dans ce monde? Voilà l'importance de commencer toujours par la création, comme on a vu au tout début de ce culte. La création manifeste Dieu. Attention, la création ne nous sauve pas. Mais la création manifeste la présence de Dieu dans ce monde. Sommes-nous aptes à percevoir la présence de Dieu dans ce monde, malgré tout? C'est ça le grand enjeu. Ce qui nous mène à la réflexion suivante. Notre vie apocalyptique, notre vie de manifestation du Christ. Lorsque nous prêchons l'Évangile, nous le prêchons débarrassé de nos idées humaines. Qu'est-ce que nous devons encore renoncer en nous-mêmes pour que Christ soit manifesté en nous? Et là, on passe... Et là, on passe au verset 13 à 17, lorsque Paul dit que la vie du disciple du Christ ne dépend pas de l'organisation religieuse. Et après avoir posé les bases solides de l'Évangile, Paul va traiter de la structure religieuse, quelle qu'elle soit, hein, dans les versets 13 à 17. Et là, nous allons voir que même le meilleur système d'organisation d'une synagogue, d'une église, hein, où les meilleures traditions ne peuvent pas produire un style de vie qui révèle Jésus. Nous dépendons de l'organisation religieuse. Ça nous aide à faire pas mal de choses ensemble, la communauté, et vivre, s'encourager les uns les autres. Mais la vie du disciple du Christ va au-delà de la structure religieuse. Sinon, on tombe dans la culture. Je suis né dans une famille chrétienne, je suis né dans un pays chrétien, je suis né dans une culture chrétienne. Et non, la vie du disciple du Christ ne dépend pas de la structure religieuse. Et en parlant de style de vie, Paul fait justement référence à son style de vie dans le judaïsme. D'ailleurs, c'est la traduction littérale du verset 13. Vous avez entendu parler de mon style de vie dans le judaïsme. Ensuite, Paul continue en disant qu'il excédait toutes les mesures de son propre style de vie dans son ancien système religieux pour persécuter d'autres personnes qui, peut-être, le faisaient opposition. Non, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas gâcher ma tradition. On ne peut pas gâcher ma structure. Qu'est-ce qu'ils font ces chrétiens? Ils utilisent le nom de mon Dieu. Il faut que je les tue parce que ma culture doit être préservée. Autant tuer les autres pour préserver ma culture. Donc, Dieu n'avait rien à faire dans la vie de Paul avant. Son centre d'intérêt n'était pas Dieu lui-même. Ce n'était pas sa relation personnelle avec Dieu, mais les traditions qu'on avait créées, la structure elle-même. D'autant plus que Dieu n'avait rien demandé dans ce sens-là. Il faut tuer ceux qui ne s'adaptent pas à la culture. Ça ne fait pas partie de la parole de Dieu. Mais à partir du verset 16, Paul change son discours et même son centre d'intérêt. Maintenant, il parle d'une révélation du Fils de Dieu en lui, plutôt que de montrer combien la tradition ou la structure religieuse est importante. Paul n'est même pas allé voir les apôtres. Cela veut dire que, grosso modo, hein, il se fichait de la forme d'organisation de l'Église de Jérusalem. Ils ont peut-être leur style. Ici, nous le faisons autrement. Donc, je n'ai pas besoin d'aller à Jérusalem pour voir comment est-ce qu'ils font pour copier le modèle. Non, ce n'est pas important. La structure n'est pas importante en soi. Ce n'est pas le but en soi. Elle est importante,
Mais ce n'est pas le but en soi. Et Paul, depuis le début de sa vie avec le Christ, il avait compris ça. Pourquoi irais-je voir les disciples pour copier leur modèle d'organisation? Non, ça n'a aucun sens. C'est Christ lui-même. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il dit aux Galates, qui étaient très attachés à la structure religieuse, « Non, mais moi-même, je ne suis pas allé à Jérusalem pour voir comment ils faisaient. Ce n'est pas important. » Le comment. Il aurait pu aller voir les apôtres pour savoir comment organiser une nouvelle église. Hein? Cependant, pour lui, la forme, l'organisation de l'église peut, et j'ose dire, doit être variée et diversifiée tant que Jésus soit le centre d'intérêt de la communauté. Et là, oui, la structure, c'est important. Il ne vaut pas la peine d'avoir une super église bien organisée et tout si les chrétiens qui sont ne développent pas leur témoignage parce que ce qui doit être vu est Jésus et non pas l'organisation de l'église elle-même. Si l'organisation elle est plus remarquée que Jésus, là il y a un problème. D'ailleurs, nous pouvons affirmer que l'évangile, nous pouvons affirmer que l'évangile est beaucoup plus qu'une collection de doctrines et de faits historiques. Nous sommes fondés sur des doctrines, sur des enseignements et sur des faits historiques. Mais ça va au-delà de ça. Hein? En fait, ce sont des doctrines et les faits historiques qui forment une tradition. Une tradition, elle a sa valeur. Et ça peut servir, ça peut nous aider. Mais si la tradition devient plus importante que notre vie personnelle avec Dieu, là, il y a un problème. Hein? Pourquoi? Parce que la tradition, en fait, c'est une œuvre humaine à laquelle nous sommes attachés parce que nous sommes toujours fiers du travail que nous faisons. Voilà le problème de la tradition. Ce sont les hommes qui créent la tradition. Et nous sommes généralement fiers des bonnes choses que nous faisons. Et là, le problème est qu'au fur et à mesure que nous sommes attachés à cette tradition, nous serons fiers de ce que nous avons fait nous-mêmes et pas la révélation du Christ en nous. Mais si la tradition, elle nous aide à montrer Jésus, c'est merveilleux. Mais lorsque la tradition devient le but elle-même, là, on vient des idolâtres sans pour autant avoir des statues, rien. La tradition devient notre idole. La tradition devient notre Dieu. Au lieu de nous aider, elle devient le but lui-même. Et c'est ça que Paul combat. C'est pour cela que Paul, dans son ancienne vie, n'était pas intéressé à défendre la cause de Dieu. Paul ne défendait pas Dieu. Mais il défendait sa propre cause, ses traditions, son peuple et sa culture. Pour lui, la culture juive, le système religieux était beaucoup plus important que la vie des personnes transformées par la grâce et par l'amour de Dieu. Et il commence à voir ça dans l'une des premières communautés chrétiennes. Enfin, non, mais c'est pas possible. J'ai déjà vécu ça dans ma propre vie. Et là, vous embarquez ça, non? Je vous dis, c'est une erreur. Anciennement, il voulait manifester la tradition juive, pas la vie avec Dieu. Mais à partir de sa conversion, il avait compris que le but de sa vie n'était pas de préserver son système religieux, ni de préserver les traditions juives. La seule manifestation qu'il voulait dans sa vie, c'était la manifestation de Jésus pour la montrer aux autres. Avant, il tuait au nom des traditions juives. Et maintenant, il renverse la situation. Maintenant, il est prêt à mourir pour révéler Jésus au monde. Voyez la différence? Je tue pour ma tradition et maintenant, je meurs pour Christ. C'est pour cela
que la France a malheureusement connu des guerres de religion au 15e, 16e, 17e siècle. On voulait préserver les traditions qu'on avait créées, tant les catholiques que les protestants. Là, on n'a aucune fierté là-dedans, pour être sincère avec nous-mêmes dans l'histoire. C'est pourquoi aucune culture de l'Église ou tradition religieuse ne peut manifester, ne peut révéler Jésus-Christ. Évidemment, encore une fois, la tradition et la structure de l'Église, nos traditions, notre façon de nous organiser, doivent nous aider à accomplir nos tâches dans l'Église. Ça, oui. Ça, on est tous d'accord. Mais le but d'une Église n'est pas de montrer comment elle est organisée, mais comment les dons que Dieu a donnés à chacun dans l'Église peuvent montrer, peuvent manifester la présence de Dieu dans ce monde. Et à ce titre, je cite les deux premiers paragraphes du chapitre sur l'organisation de l'Église du livre du monsieur Robert du Barry. C'est un grand pasteur baptiste du 19e siècle. Il a été le pasteur de l'église baptiste de Nîmes pendant plusieurs années. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Robert du Barry. Au 19e siècle, l'organisation d'une église locale n'est qu'un moyen pour atteindre un but. Le but est donc primordial. Et tout moyen lui est subordonné. Or, le divin programme à l'égard d'une telle collectivité consiste dans la formation des chrétiens accomplis, associés dans leur témoignage et dans leur dévouement commun à la cause de l'Évangile. Donc voilà la structure, tout ça, ou de n'importe quelle autre église. La structure sert à former des chrétiens accomplis. Nous devons donc être prêts à renoncer à nos habitudes pour que l'évangile du Christ soit révélé. Sinon, ce qui sera révélé, c'est nous-mêmes et nos coutumes et nos traditions. Ce qui peut changer le cœur de l'être humain est l'évangile de Christ. Parce que même si nos traditions et nos coutumes sont bonnes, et il y a des bonnes traditions, il y a des traditions, je crois personnellement que notre façon de nous organiser, nos traditions, nos coutumes sont bonnes. Hein? Ce n'est pas le but de notre vie, mais elles sont bonnes. Hein? Mais ça ne reste que la pensée humaine. Sinon, on dirait qu'il n'y a que cette église qui a la vérité. Alors que non, c'est complètement faux. Il y a d'autres églises qui appartiennent au Seigneur, qui s'organisent autrement. Et ils prêchent l'évangile. Donc, notre façon de nous organiser, nos traditions, c'est quelque chose d'humain. Ça doit nous aider à accomplir notre tâche en Christ, mais pas le but lui-même. D'autant plus que Jésus n'a laissé aucun modèle de tradition ou d'organisation d'église. Donc, voilà. Et il n'y a pas une recette dans le Nouveau Testament. Comment organiser une église? Ça aurait été plus facile. Mais bon, le Seigneur, il veut que nous soyons vraiment diversifiés dans notre façon de vivre. Et ça, c'est merveilleux. Ainsi, pour vivre de façon apocalyptique, de manière à révéler Jésus dans ce monde, est de se rendre compte que notre structure de l'église doit nous aider à vivre pour la gloire de Dieu et non simplement pour montrer comment nous sommes organisés. Le vrai disciple de Christ profite de la structure de l'Église pour révéler Jésus et non pas pour montrer combien il est doué dans tel ou tel domaine. Et finalement, la troisième partie de ce texte, Paul va dire que la vie du disciple de Christ ne dépend pas des autres. Du verset 18 au verset 24. Sa propre relation avec le Christ
pas en tant que communauté. Paul va affirmer dans ce verset que la vie du disciple du Christ ne dépend pas des autres. Paul en était conscient en fait, parce que lorsqu'il est allé à Jérusalem pour rencontrer Pierre et Jacques, il n'est pas resté assez de temps pour emporter les habitudes et les coutumes des apôtres vers les églises de l'Asie mineure. D'ailleurs, nous lisons dans le récit d'Actes des apôtres, chapitre 15, que Paul a débattu la question des traditions juives avec les apôtres et l'église de Jérusalem. Le thème employé par Luc dans ce chapitre, qui va décrire ce débat, est le même mot pour décrire une révolution. Ils ont vécu une révolution. En plus, il est également dit que cette révolution, ce débat entre les apôtres a été énorme. J'imagine la bagarre qu'il a eue. Hein? C'était même violent. Si on voit le terme en grec, c'était un débat violent. Voilà que Luc ne masque pas la réalité et chacun voulait défendre une tradition. Voilà l'enjeu. Hein? Mais revenons à la lettre Galate. Paul évoque donc le témoignage de Dieu pour affirmer que son évangile n'est influencé par aucun homme, y compris notamment les apôtres. Paul voulait préserver la culture locale parce que l'évangile est au-dessus de la culture. Ainsi, si Paul prêche ce qu'il prêche, c'est parce que sa prédication est une révélation directe de Christ et non pas de la tradition des hommes, même s'il s'agit d'une bonne tradition comme la tradition des apôtres à Jérusalem. Mais Paul n'importe pas cette tradition vers la Galatie. Hein? Et finalement, à la fin de ce récit, l'Apocalypse de Jésus joue son vrai rôle dans les versets 23 et 24. Et voilà le vrai but de la vie du chrétien. Ils avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait prêche maintenant la foi qu'il voulait détruire et il louait Dieu à mon sujet. » Voilà le but de la révélation de Jésus dans notre vie, la louange rendue à Dieu seul. Par conséquent, nous pouvons nous demander quelle est la place des traditions humaines dans l'évangile. Quelle est la place de nos traditions dans l'évangile de Christ? Quel est le rôle de ce que l'homme crée dans l'Église, dans la révélation du Christ? Il y a la révélation du Christ, mais il y a aussi notre culture. Donc, il faut faire avec. Hein? Paul s'est vidé de lui-même et de ses traditions pour prêcher l'Évangile. Ensuite, Paul a compris qu'il fallait se débarrasser aussi d'autres propositions humaines qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Il était dans un autre pays, dans un autre contexte. Hein? Ce n'est pas forcément un péché, bien sûr, mais ce n'est pas l'Apocalypse, ce n'est pas la révélation de Christ non plus. Notre culture n'est pas l'Évangile. Nous vivons l'Évangile dans n'importe quelle culture. Mais il ne faut pas faire de la culture l'Évangile. En tout cas, lorsque Paul s'est débarrassé de ses propres traditions et lorsqu'il n'a pas tenu compte de la tradition de l'Église à Jérusalem, il a pu relire l'Ancien Testament pour trouver son vrai sens. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons ces lettres dans le Nouveau Testament, nous remarquons combien il y est attaché. Cela nous met en garde parce que nous avons presque toujours la tentation de mentionner notre propre histoire avec Dieu comme le standard de ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Voilà le problème. Par exemple, si cette attitude, si cette décision a bien marché pour moi, c'est sûr que cela marchera aussi pour vous aussi. Est-ce vrai? Pas forcément. Ou encore, dans mon cas,
Je fais cela, donc tu dois faire la même chose parce que Dieu agit ainsi dans ma vie. Dans ce cas-là, donc vous devez faire la même chose. Ça marchera pour sûr. Non. Alors que notre expérience avec Dieu ne peut pas apporter le salut. Nous témoignons comme on vient de faire ce matin. Mais pour que la gloire soit rendue à Dieu. Et pas comme une recette pour tous les autres. L'apocalypse de Christ, la révélation du Christ, c'est ce qu'il fait pour nous. Et non ce que nous avons vécu avec Dieu. J'étais perdu, maintenant je vois. Effectivement, ce que nous avons vécu avec Dieu devra rendre gloire à Dieu. Mais ces expériences, nos expériences personnelles, ne sont pas de recettes pour les autres parce qu'elles n'apporteront jamais le salut lui-même. Ainsi, nos expériences personnelles ne peuvent pas se mélanger avec le message que nous prêchons. Les premiers apôtres ont eu des expériences très particulières avec Jésus. Mais Paul en avait eu d'autres. Toutefois, l'évangile prêché par Pierre dans ses lettres est le même évangile que Paul transmet. Et pourtant, ils ont vécu des choses complètement différentes. Par conséquent, nous ne devons pas prêcher notre propre expérience personnelle de vie comme l'évangile. Mais nous devons prêcher les enseignements de Jésus, débarrassés de nous-mêmes ou de notre propre histoire. Notre témoignage doit rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas un enseignement pour les autres. C'est ça la différence. Ce n'est pas notre témoignage qui sauve, mais c'est le message de la mort et de la résurrection de Jésus. Notre témoignage peut et doit rendre gloire à Dieu, mais le salut n'appartient qu'à Dieu seul. Et ainsi, pour conclure, vous voyez, le PowerPoint est déjà conclu. Pour révéler, pour manifester Jésus dans notre vie, nous devons nous débarrasser de nos propres présupposés. La seule chose qui doit être manifestée est Jésus et lui seul. Dans le cas de notre histoire, nos expériences doivent rendre gloire à Dieu. Après tout, c'est Dieu qui a agi à travers nous. Rappelons-nous, l'évangile est l'apocalypse, l'évangile est la révélation de Jésus et non de nous-mêmes. Vivons de façon apocalyptique pour la gloire de Dieu en 2024. Un bon apocalypse de Jésus à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Prions.